Yebo. Ye quand tu vois beau il y a fouille à bon accord c'est quoi ça il y a fouille tiens beau pour ceux qui connaissent pas c'est Calice Côte d'Ivoire tiens bientôt c'est la fin du confinement mais ça n'est pas dit que les gars ça n'est pas dit de ne plus prendre les mesures de sécurité hein. Ben, c'est là maintenant le vrai mouvement même va commencer voilà donc on garde toujours les habitudes les mesures de sécurité et on évite l'attroupement, on lave toujours les mains, on se protège, les masques, et ça, tout faut toujours garder ça. Voilà. Parce que là, vraiment, on serait un peu libéré, mais c'est là on doit faire beaucoup, on doit faire plus attention, effectivement. Donc, je revenais pour cette vidéo pour reprendre un peu les saisons des films de Calice Côte d'Ivoire. Donc, j'allais commencer un peu par une petite partie, et puis après, un fil de suite pour vous remettre encore dans le bain. Donc, comme je vous disais, voilà, moi, mes séries, c'est la vérité, c'est les films, voilà. Et ceux qui sont morts perdent leur âme, mais ceux qui sont vivants, ils peuvent témoigner. Voilà. Donc, voici comment ça s'est passé. C'était au temps des PC crises, voilà, où les Soignants ont pris le territoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était en Soma. Donc, moi, en Soma, j'étais à la PM. Voilà, j'étais à la PM de Yop, à Selmay. Voilà, donc parmi les policiers de la police municipale de Yopougon, je fus l'un des vrais chefs. Voilà, on dit Sergent Das et Calice Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, à cette époque, à cette période, le pays était chaud, vous étiez doux. Ouais, c'était vraiment doux. En ce moment, la guérilla était au contrôle. Il y a un faux guitare. Donc, un jour, on était là, parce que, bon, en ce moment, le pays était gnan. Donc, il fallait se guetter en tri pour partir au travail. Donc, nous, on était en tri. Donc, nous, on sécurisait les biens de la commune. Donc, on était à la police municipale, on était à la Selmay, on était à la mairie, là, on avait nos bases. Quel on t'a assis. Un coup, le carrefour rentre à la cour, la mairie. Qui y voit? C'est pourquoi on dit quand il y a un ziguey plein, c'est bon. Qui y voit devant? Jimmy la Dose, Dosia, avec tous les petits commandos là. Avec les calaches. Ah! Dans moi, mon boy là. C'est moi sur les six ziguey, ouais, moi et champion. C'est nous dont on connaissait Dosia. Donc les petits de Jimmy la Dose là, et t'es pas si les. La police municipale, elle commence à arracher les lalles et tout. Il est censé jusqu'à ma bête à chier. Il dit, c'est une foutaise. Il est dosier, toi, tu peux pas être là. Et puis les ménés, là, ils vont tomber sur mes collègues. C'est une foutaise. C'est une foutaise, la vérité. Est-ce que si j'ai pas fait des mouvements là, les peuples frères là, ils peuvent prendre care. Ma bête à chier, quoi, mais tra! Et c'est pour ici, quoi, arracher tous les lalles qu'ils ont pris. Elle commence à tout arracher en bris. Et prenez vos trucs. Ça, c'est les petits frères. Ils vont faire quoi? C'est pas si c'est tri ou bien calache. C'est plus ici. S'ils ont fait, ils vont se bouffer les nez ici. Ils commence à mettre. De là, frère, ça, frère, ça. Il dit, non, mais comment toi, tu me débarques ici, ici, là, c'est moi, c'est tout ça, là. En ce moment, nos commandants de compagnie ont mis des dents. Le commandant qui prie, paix à son âme. C'est un vieux bro, il a mis des dents. Du coup, les mêmes, on dit, aussi là-bas, ils ont racheté le Tolki. Le nôtre qui l'a arraché ça. Donc on était là maintenant, on commence à mettre là. Donc tous a trisé ses petits. Il a dit non, c'est la famille. Oh. Il dit, mais vous connaissez cette tri-tri. Voilà, même si pour nous, ça la paix, mais c'est un bon goût. Il a faux ici. Ça ne peut pas se passer comme vous voulez là. Donc j'ai fait, il y a ça. Mes collègues là, ils ont compris en quai maintenant. Donc ils ont compris en quai, ils ont fond maintenant. Ils ont arraché tous les lalais qui les menaient. Milou les avait pris dans les poids, ils ont arraché tout. Chacun a récupéré son lalé maintenant. Donc maintenant, ils ont vu maintenant que c'était manieré maintenant. Ils ont commencé à blébler. Ils ont commencé à nous laler calache maintenant. Ils ont commencé à nous laler calache qu'on a calé sécurisé. Donc quand le maire a pris drap, Doukouré, il perd son âme. Quand il a pris drap, que ah, les soignants sont dans la PM, que la police municipale les a trisaillés, il a eu qu'un maintenant. Il dit, oh, il a confiance à ses éléments. Il s'est calé ce Côte d'Ivoire. Chef du village, il a fouillé.
Donc le maire maintenant, il a commencé à être en jaillir. Donc il a commencé à nous appeler sur nos talkies. Mais le problème, c'est que le talkie, les Milou là, ils ont arraché dans la main du commandant là. C'était dans leur poids. Donc toutes nos communications là, ils prenaient drap. Donc il fallait qu'on retrouve ce talkie là. Donc on a commencé à se propre, on a commencé à propre maintenant les Milou maintenant. Jusqu'à on est parti trouver le talkie. On a appelé, on a communiqué. On est venu les prendre, on est venu les prendre la selle, mais au complexe là-bas. On a arraché le talkie là maintenant. On est revenu à la base. Abi, là, la paix, on est debout maintenant. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, même semaine. Ça, en ce moment, les Songhais avaient pris tout le territoire. C'était gnan. La même semaine, Yeri, nous on était en patrouille. Tiens, un coup, je vois l'équipe de Boka Yapi. Son équipe, il avait son groupe. Boulboulou à la Selmer, c'était le PC Chris. On les voit à la Selmer. Ils ont commencé à. Il y avait les Banos qui étaient, c'est les Libanais qui étaient devant sur la rue Princesse là. Ils ont commencé à les racketter. Donc ils sont rentrés chez Hassan là. Ils sont rentrés dans un coin de Shawama, ils sont rentrés dans un coin de Shawama, un truc manieré là. Tiens, elle rentre là-bas, elle trouve un zigueï plein et commence à lui mettre drap. Donc les enfants m'ont dit que, ah, tiens, le groupe de Boka Yapi, ils sont dans un coin, ils sont en train de mettre drap là-bas, les vagabonds, tout ça là. Donc j'ai dit à mes gars là, moi, mon bon qui était en, qui, nous qui étions en patrouille là, j'ai dit bon, bon, on va foncer vers là-bas, là, on va voir clair dans leur affaire là. Ouais, bah, elle ne peut pas venir à la selle, monsieur, et puis venir mettre drap partout, partout, comme ça, c'est foutaise. Ah, souvent, bon, c'est Odeur qui est dedans, il y a Odeur. Tiens, bon, on arrive. Je vois les calages partout. Comment? Ils sont entrés. Tiens, je descends, je vois qui? Zab Chérif, il est dans les mains. Hey, un coucou là-bas, Zapi. Si tu vois la vidéo, beau, c'est un coucou là-bas pour toi. Je dis que tu as longue vie, tu as les doigts beau. Voilà, il y a fou les doigts derrière toi. Donc, voilà, je job, voici Zab Chérif. Amène les Boka Yapi. Boka Yapi, en train de le chanter avec son poignet, les calages, et vers le douf. Que Zapi c'est un sorcier, qu'il a mis dans son miroir, il a rêvé la vie Zapi, Zapi fait sorcellerie. Bon, j'ai toujours il rentre. Il dit, mais c'est comment? Elle dit, non, ils sont venus attraper Zapi, que Zapi c'est un sorcier. Il dit, mais tiens, vous ne connaissez pas lui là, c'est un champion. C'est lui, on appelle Zap Shérif. Un élément clé, le Nyang système, c'est un mot de coup de pied. Voilà, il n'est pas dedans. Tiens, laissez ça. Il ne bouge pas ici. Oh, comment? Boka Yapi a commencé à dédé la coin, tourner, tourner. Il dit, hey, c'est pas Yaya. C'est pas Yaya. C'est Zapi qui est là. Frère, sang, tu bougerais ici. Viens, frère. Faut même pas. Oh, comment? Voici mouvement à Trisa. Son nanoué. Ils ont damé si mon frère, ça. Frère, sang, viens, voir comment? Déboîteur, Zapi, Zapi. Zap chérie, voici mon bol là-bas pour toi. Il y a faux qui t'a. Mon frère Sam, il dit non, okay, ouais, il m'explique comme ça. Il est calaché avec. Il dit, hey, c'est comme ça, ils font pour tous les vagabonds. Tu ne me frayas pas ici. Ici, là. Oh, on a pris, on a frayé, Zapi a mis les dents. On va tourner, tourner, on a fait la. On a fait maintenant la ronde maintenant. Le Dokas, le maire était en contact maintenant avec nous. Commence à nous. Oh. Dans les digestifs maintenant, on commence à traîner la COVID. Mettre un peu la sécurité de ces pharmacies-là. Donc, on va à Bel Air, on va à Kenya, on tourne la commune, on va à la base, on commence à gérer un peu la situation. Donc, voici un peu. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser vite fait là-là. Et la semaine prochaine, je vais vous essayer de vous faire une vidéo encore sur Tiafoui. Merci là-bas. Donc, les gars, je vais vous laisser pour la seconde vidéo la semaine prochaine. La continuité des films de Kalis Côte d'Ivoire, petit à petit, vous allez reprendre encore, vous allez retomber encore dans mes séries. Yafou Kita, Yessian Jaye. Merci, hein, Yafoui.